salut. Rien. Bien de bonheur ce matin? Ouais, je sais, je suis mal pris, là, ça va mal. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai organisé une soirée de speed dating. Pis... Speed dating? Ça me dit quelque chose, ça. C'est quoi, au juste? Non, ben, tu sais, là, c'est une soirée où des gars et des filles ont 7 minutes pour faire connaissance. 7 minutes, c'est pas long, hein? Mais mon problème, c'est que j'ai personne pour s'occuper du vestiaire. Oh, pis c'est ce soir. Y a pas juste tes participants qui vont être pressés dans le temps. Celui qui devait s'en occuper vient de m'annoncer qu'il y a gastro. Là, je dois absolument trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Puis tu sais, moi, je peux pas m'en occuper, là, j'ai trop de choses à faire. Salut! Salut. Ah, Manolo! Hey, tu tombes super bien. J'ai besoin de quelqu'un pour ma soirée de speed dating. Hein? Tu fais une soirée de speed dating? Cool, c'est ma chance. Ouais, puis j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper du vestiaire. Ah oui, je peux passer le balai à coup parti? Ah, je vais bien y aller, mais c'est pour participer. Participer? Toi? Quoi, là? Qu'est-ce que j'ai dit? Super le fun là, que tu veuilles participer au speed dating, mais tu sais, si c'est plus au vestiaire, j'ai besoin de quelqu'un. Hey, du speed dating, je suis super bon au jeu de vitesse sur Internet. Oh, mais j'ai pas le goût de passer ma soirée au vestiaire à regarder les autres avoir du fun. Mais Manolo, c'est parce que les autres sont plus vieux que toi, là, c'est pas évident, hein? Mais c'est ça, dis-le donc, je suis poche. Non, c'est pas ce que je voulais dire, là. Je suis plus un bébé. De toute façon, ça me fait pas peur du tout. Salut, les L'Espérance! Hey, salut, Antonin! Écoute, j'ai organisé une soirée de speed dating pour ce soir, puis j'ai besoin de quelqu'un au vestiaire. Du speed dating? Ouais, ouais. Ben, j'ai demandé à Manolo, mais il peut pas, il va participer. Manolo va participer. Coudon, c'est son nouveau moyen de communication, ça, le perroquet. Et puis, peux-tu? Difficile de refuser. Je voudrais surtout pas manquer la performance de Manolo. Oh! Hey, Antonin, tu me sauves la vie, tu peux pas savoir comment. Ça me fait plaisir, je sens que je vais m'amuser. Mais s'amuser à quoi? Est-ce que j'en ai manqué un bout, moi, là? Moi non plus, je vais pas manquer ta performance au vestiaire. T'as de la misère à ramasser ton propre manteau. Ouais, la compétition s'annonce féroce. Bon, est-ce qu'on y va, là, si tu veux que j'aie encore le goût de t'aider pour ton travail sur le tam-tam? Ouais, je suis prêt. Une minute, Manolo, viens ici, là. Quoi? T'as toujours pas fait ta tâche, hein, qui consiste à trier les bas? J'aimerais ça que ça soit fait avant que tu partes ce soir. Ben oui, promis. Bon, ben, je vais y aller, moi. Mathieu, je sais pas si c'est une bonne idée de laisser participer Manolo à du speed dating. Mais là, c'est juste pour le fun, là. Hein? C'est pour mettre un petit peu de piquant dans la soirée. Ouais, mais depuis que je connais Manolo, à part la musique et les bandes dessinées, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Ah, il commence à s'intéresser aux filles? Ouais. Là, 7 minutes de questions pour savoir si une fille te plaît, c'est pas trop long, hein? Ouais, je trouve ça, moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça à 8 minutes. C'est le fun, hein? Salut! Hey, le tam-tam, ça se peut-tu? Hey, pourquoi pas les signaux de fumée tant qu'à y être? Ben oui, j'imagine Antonin en train de boucaner tout son sous-sol à essayer de faire des signaux de fumée. Encore pire. Imagine la réaction du bonhomme Mongeau quand il s'en aperçoit, hein? Il va avoir encore plus de boucanes qui vont sortir des oreilles. C'est pas bon la fumée pour vous autres, les jeunes, hein? L'important, c'est qu'Antonin soit pas dans nos pattes pour faire notre travail. Ouais. Mais tu sais, c'est cool que Max ait accepté de participer à notre vidéo, hein? Hey, mais hein, il a trouvé ça super cool qu'on parle de la chanson comme moyen de communication. Automatique. Bon. Mais il nous reste encore du temps ce midi, là. On va s'installer ici. Ouais, c'est qui va faire le présentateur? Moi, j'aimerais ça. Je suis le moins gêné des deux. C'est comme tu veux, toi ou moi. Ah, ben... Ben, toi, OK? Moi, je vais filmer. Ce que j'aime avec Thomas, c'est que je m'obstine presque jamais. Bon! On va commencer à écrire un texte, mais avant, faut que j'aille aux toilettes, OK? Ouais. Ah, Max, justement, on est en train de discuter de nos idées pour le travail. C'est parce que j'ai un gros problème. En tout cas, t'as un chat dans la gorge, hein? Moi, je dirais plutôt que toute la portée, hein? C'est quoi le problème, là? C'est parce que j'arrive de chez le médecin et il m'a dit que j'ai la voix très fatiguée. Ben, c'est pas grave, là, t'auras pas à chanter fort. Non, c'est parce que
médecin m'a dit de pas prendre de risques. Il faut que je parle le moins possible pour pas fatiguer ma voix encore plus. Je peux pas me permettre d'annuler mes contrats. Mais là, le moins possible comme dans pas chanter du tout? Ouais. Là, et qu'est-ce qu'on va faire? Là, on n'a pas le choix de trouver une autre idée. C'est plate, là. J'aimais vraiment ça. Ouais. Moi aussi. Mais là, on est plus rien, Max. Là, c'est pas de ta faute, hein? Ouais, là, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Là, j'en peux plus. Regarde, je vais essayer de trouver une autre idée pendant ce temps-là. En tout cas, une chance que t'es bon en mime, hein? Sinon, t'aurais de la misère à te faire comprendre. Ben oui, c'est génial! Thomas, est-ce que je t'ai dit que t'étais mon meilleur ami? Ben oui, là, mais pourquoi tu... Le mime. Le mime. Ben oui, le mime! Ben oui, le mime! Ben oui! Le mime, c'est un moyen de communication. Et on va faire notre travail là-dessus. Max, t'as toujours été une grande source d'inspiration. Puis à te voir aller depuis tantôt, là, ça va être parfait. Là, faut vraiment que j'aille aux toilettes parce que je sens que mes yeux commencent à changer de couleur. Vite, Nathan, là, c'est une urgence. Oh, tu m'as fait peur, là, faut tout que je recommence. Et grouille, là, j'ai besoin de la salle de bain. Ah, pis y'a pas le feu, là. Et moi, j'ai besoin du miroir. Je sens que ça sera pas facile. Nathan, qu'est-ce que tu fais, là? T'essaies de faire une sculpture en ratine? Non, j'essaie de me faire un turban, bon. Nathan, l'Halloween s'est passé. T'en masses le temps de préparer ton super costume de génie. Pas un costume de génie, c'est un costume de charmeur de serpent. Nathan, l'espérance, est-ce que tu fais exprès? Tu vois bien que je suis pressée. Moi, j'ai le droit à mon 15 minutes, chacun son tour. Oh, il m'énerve! Oh, s'il te plaît, Nathan. Hey, qu'est-ce que tu fais avec ma flûte? Tu me l'as pas demandé, est-ce que je sache? Si tu veux que je te laisse la place, là, on peut négocier. Ouais, ouais. Ben, sors, puis après ça, on verra si ça me tente de négocier. Ah, pas de négociation, pas de toilette. Oh, pourquoi ça m'arrive à moi? Simon L'Espérance a battu le record d'attente aux toilettes. Malheureusement, on n'a pas pu me remettre mon prix parce que j'ai explosé! Et là, j'en peux plus. OK, Nathan, prends-la, là, mais va pratiquer ailleurs, là. Pas besoin de négociation. C'est parce que j'ai deux autres conditions. Comment ça, deux conditions? Premièrement, tu dois m'aider à me faire un turban. Oh, c'est correct, là. T'aider à le faire ou le défaire, y'a pas de problème. Et deuxièmement? La deuxième, c'est la plus importante. Pas un mot de ce que je fais. C'est correct, là. Pas un mot, promis, juré, craché, fais ce que tu veux, joue de la flûte, mais va-t'en, là! Nathan, qu'est-ce que tu fais, juste? Rien. Je pense qu'il me prend pour un épée. Rien. T'es étendu avec une serviette sur la tête, la main sous l'oreiller, tu me regardes avec les yeux ronds comme ça, mais tu fais rien. Oh, la serviette! C'est parce que je me suis lavé les cheveux. Ouais. Oh! Puis la flûte, elle, c'est pour faire du vent pour que tes cheveux sèchent plus vite, hein? Oh, j'ai rien fait de mal, là! Pour l'instant? Oh, j'ai juste joué de la flûte, là. Puis, de toute façon, là, je pense que le microbe est sourd. Il réagit pas beaucoup. Nathan, l'espérance, s'il y en a un qui est sourd ici, c'est ben toi. C'est très bien ce que je veux dire. Personne peut jouer avec microbe sans ma permission, c'est mon serpent. Oh, t'es super plate! Non, je suis pas plate, je suis prévoyant, c'est pas pareil. Moi, prévoyant, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Tu peux oublier la flûte, je la garde avec moi. Oh. Salut, Manolo! Oh non, pas lui en plus. Si t'es venu pour ton travail, tu peux m'oublier pour l'instant. Il faut que je me prépare pour ce soir. Oh, on peut faire ça plus tard, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Tu y parles? C'est pratique que le microbe soit une femelle, comme ça tu peux t'exercer à parler aux filles. Antonin a du talent pour une chose, faire suer. Toi, est-ce que tu t'es entraîné à accrocher des manteaux? Es-tu nerveux? J'ai pas raison d'être nerveux. Avoue-le que t'es nerveux, Manolo, il va falloir que t'épates des filles. Il est donc bien fatigué avec les filles. Moi, c'est la compétition de jeu de vitesse qui m'intéresse. C'est pas la soirée qui m'énerve, c'est toi. T'es nerveux, dis-le. Je pense qu'il m'a pas bien compris. Alors, regarde, Antonin, pour ton travail sur les tam-tams, là, tu t'arrangeras tout seul. Mais voyons, Manolo, prends pas ça de même. Autant, je suis plus disponible. Ben, je voulais... C'est juste une joke. Salut! OK, je pense que tout est correct, là. Moi, je suis prêt.
Vous autres, où est-ce que vous en êtes? Ouais, j'achève. OK. Ben, moi, pendant ce temps-là, là, je vais réviser mon texte. OK. Bon, mais tu peux y aller. OK. Tiens mon texte, je vais en avoir besoin. OK. Moteur. Action. On tourne. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Ce soir, je vais me coucher moins niaiseux. Aujourd'hui, le sujet de l'émission, la communication. Il existe plusieurs moyens de se parler. Non, non, pas de se parler, là, de communiquer. De communiquer, c'est cela. La plus commune, c'est la parole, celle que j'utilise en ce moment, effectivement. Mais il y a d'autres moyens de communication, comme les gestes, l'expression faciale, du visage, c'est selon. Alors, dans un moment, nous allons vous faire une démonstration. Max, tu peux prendre place. Bon, est-ce que t'es prêt? Silence, ça tourne! Voici Max. Le pauvre Max ne peut plus parler depuis qu'il s'est lancé dans l'élevage de chats dans sa gorge. Mais nous allons essayer de comprendre ce qu'il essaie de nous exprimer visuellement. Voici une autre démonstration de son excellent talent. Au secours, je suis prisonnier d'un cours de français. Ben là, c'est pas ce qu'on avait prévu. Max, c'est moi qui m'occupe des cartons, là. Ouais, c'est correct, là. On reprend, mais sérieusement. OK, moi, je suis prêt. OK. Vas-y, Max, ça tourne. Oh, je suis crevé. Maintenant, la troisième démonstration, mais non la moindre. C'est toujours quand il fait moins 30 que l'autobus arrive pas. Et coupé! Les gars, c'était parfait. C'était pas pire. Oh non, pas lui. Non, c'était bon, mais... Mais tu viens nous déranger, là? Non, c'était bon, mais il me semble qu'il vous manque un petit quelque chose. Ouais, un petit quelque chose comme les problèmes que tu viens nous donner gratuitement. Me semble que ce serait meilleur avec un costume de mime. Hey, bravo! On y avait déjà pensé, c'est parce qu'on n'a pas de costume. Justement! C'est là quand Antonin Mongeau intervient. J'en ai un, moi. Oh non, on est faites. Hey, ça, c'est la vraie vie. Jouer aux jeux vidéo, pas d'Antonin Mongeau des pattes, la paix. Hey, mais ça... Mais salut! Je veux jouer, moi aussi. C'est dommage, mais on a juste deux manettes. Pas de problème, j'en ai apporté une. Peut-être plus tard, là. Faudrait qu'on dise, on est vraiment affamés, hein. J'ai pensé à tout. Des bons sandwichs au bord de pin. Moi, j'ai plus d'excuses. Pas de problème, j'en ai une boîte pleine. Je sais pas pourquoi, mais j'hésite. Ah oui, j'oubliais, j'ai pas juste le costume, j'ai le maquillage aussi. Je sens que je commence à faiblir, là. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Mais là, c'est sûr que le résultat va être bien plus intéressant. Bon. Automatique! Ouais, puis on risque d'avoir une meilleure note aussi. Et puis, le verdict? C'est correct, là, on accepte. Vous allez voir, vous le regretterez pas. Ça, c'est pas prouvé, par exemple. Va chercher ton maquillage puis ton costume, puis aide Max à se costumer puis à se maquiller. OK, je vais y aller. Et vas-y, là, on n'a pas toute la journée. Ah oui! Ah, c'est juste qu'il y a un petit problème. Quoi encore? Ben, c'est parce que le costume, il est à mon père, puis il veut pas que je le prête. Mais c'est encore des mensonges, ça? Dans le fond, est-ce qu'on a vraiment le choix? C'est correct, là, le gros bébé, c'est toi qui vas le faire, le mime. Yes, sir!
Fille, champion, pas trop énervé pour ce soir? Ben, à les entendre, je commence à me demander si je devrais pas l'être. Non, non, pas trop, là. Si je peux avoir le temps de jouer quelques parties sur Internet, ça va être encore mieux. Qu'est-ce que tu fais? La pizza de Claudio, hein? Beaucoup de pepperoni, beaucoup de fromage, mucho gusto. Mucho gusto. Ça veut dire plus de goût, meilleur. Penses-tu qu'il va avoir le temps de manger la pizza avant de partir ou il n'y aura pas le temps, là? À l'heure où Mathieu vient me rejoindre, je suis pas sûr qu'on va avoir le temps. C'est pas grave, on se prendra des sandwichs. Sais-tu s'il y a quelqu'un à l'ordinateur? Non, je pense que c'est libre, là. Manolo, l'ordinateur, ça peut attendre. Mais ça, ça peut plus attendre, par exemple. Si je dis que je vais aller jouer, c'est sûr qu'il va me dire non. C'est parce que Mathieu me demandait un service. Ben moi aussi, je t'en ai demandé un. J'ai ça quand il répond vite comme ça! Oui, mais Mathieu a besoin d'une information très, très importante, hein, puis j'ai promis d'aller chercher pour lui sur Internet, là, vu qu'il n'y a pas le temps, là, avec tout ce qu'il y a à faire. Manolo, tu m'as promis à moi aussi. Puis là, si tu n'as pas le temps de trouver son information avant que Mathieu arrive, mais quand tu seras là, vous la chercherez à deux. Je veux dire de quoi, toi puis moi, là, un gars qui est capable de trier des bas, là, ça, ça impressionne une fille. Est-ce que je suis fou? Ils sont tous obsédés par les filles. Bon, mais moi, il me manque la sauce aux tomates. Je vais aller à l'épicerie en chercher et je reviens dans 5 minutes. Pas de touche. Psst. Nathan, laisse-moi tranquille. J'ai pas le temps de jouer aux espions. Non, j'ai un marché à te proposer. Je trie linge à ta place, puis tu me laisses jouer de la flûte à microbes. Non, merci. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Ben, je trie linge, puis je fais ton lit toute la fin de semaine. C'est vrai que jouer de la flûte, c'est pas si dangereux que ça, finalement. Hein? OK, mais tu touches pas un microbe puis tu le sors pas de son vivarium, compris? Marché conclu. Je te souhaite bonne chance pour te trouver une blonde ce soir. Non, dans quel genre de soirée je me sens embarqué, moi? Arrête de bouger, Antonin, là. Comment tu veux que je fasse un maquillage qui a de l'allure? Ça paraît que t'es pas à ma place, hein, ça chatouille ces pinceaux-là. Ben, il faut souffrir pour être vedette. Bouge pas, là. Faut que j'ajoute du blanc, tu m'as fait manquer un coin. Bon, OK, c'est fini, là. C'est correct, OK? Ben oui. Bon. T'es prêt? Ça va, Thomas? Bon. Ça tourne. C'est quoi, déjà, en premier? Antonin, c'est la douleur, là. Tu t'en souviens? Tu te frappes le doigt avec le marteau. Ah, oui, 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 oui. Bon, on tourne. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'y prends où mes clous, à gauche ou à droite? Ça dérange pas, tu le prends le clou, là, prends-le où tu veux. Mais si ça continue, là, ils vont me faire virer un marteau. OK, je suis prêt, là. Bon, ça tourne. Hey, garde-toi pas, Antonin, là, il va falloir recommencer. Ça paraît que c'est pas ta face qui est en dessous, hein, ça pique. Bon, on continue, mais sans te gratter, s'il te plaît, hein? OK, j'ai compris. Bon, ça tourne. Ah, oh, je suis plus capable, là. Ça pique trop. Moi, j'enlève mon maquillage. Non, il y arrivera jamais. Dans le fond, c'est pas si grave que ça s'il n'y a pas de maquillage, hein. Déjà, avec le costume, là, ça fait assez mime. Non, ça fera pas le même effet. Oh, non! C'est quoi, le démaquillant démaquille pas? Non! Je fais une réaction allergique au maquillage, puis là, je suis plus capable de l'enlever. Regardez, c'est tout irrité ici. Monte donc voir. Oui, ça fait des petits boutons, on dirait. Ah oh, oui? Ben, je pense que tu devrais aller à la clinique, Antonin. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Ah oh, oui, je pense que oui. Bonne idée, les gars. Je vais y aller, finissez sans moi. Ça chauffe trop! Il est parti à la clinique avec son costume! S'il vous plaît, quelqu'un, venez m'aider à préparer le souper! Ah, Max, c'est gentil, va m'aider à couper les... Voyons, qu'est-ce que tu cherches, là? Les passés! Bah, non, je comprends pas, tu fais trop de bruit en fouillant. Ah, les passés! Quoi? Non, Max... Max! Plus tu fais du bruit, moins je comprends. Calme-toi, là. Quoi? OK. Attends. Là, le mieux, ça serait de l'écrire.
Fasti! OK. Je pense que tu les aurais cherchés longtemps ici. Je pense qu'ils sont dans la chambre de Nathan. Merci. Ah ben. Hey, Manolo! Salut, Mathieu. C'est le temps de vérifier dans quoi je me suis embarqué avant que ce soit trop tard. Ah, je suis content de te voir. Dis-moi donc, tu sais, est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui participent ce soir au speed dating? Bon, ouais, ben autant que de gars, là. OK. Mais le speed dating, est-ce qu'on le fait en équipe de deux ou ben... Ouais, deux par deux, ben un gars avec une fille, là. Puis t'as 8 minutes pour poser tes questions. Des questions? Ah non, on a quelles questions? Des questions précises ou générales? Ben Manolo, des questions, là. Ça dépend de ce que tu veux savoir sa fille, c'est tout. La fille? Bon, es-tu prêt, là? Faudrait y aller, parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Là, j'ai l'air fou. Ouais, faudrait y aller, c'est sûr. Voyons, Manolo, ça va? Mathieu. Mauvaise nouvelle, Antonin vient juste d'appeler. Il pourrait pas être là ce soir parce qu'il doit aller à la clinique. Oh non, c'est pas vrai, là! Pauvre Antonin. Sauvé par la cloche. Mais c'est pas grave, Mathieu, hein. Moi, je suis là, je vais m'en occuper du vestiaire. Il y en a pas de problème. Mais non, Manolo, là, tu pourras pas participer si t'es au vestiaire, là. Tu voulais tellement. Ouais, je le sais, mais je peux pas te laisser avec un problème comme ça. Tu me connais. C'est pas mon genre. Hey, Manolo, ouais. Ah, c'est sûr, ça me rendrait service, là. Ah, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Qui a crié comme ça, là? Tiens! C'est moi, parce que... Cherchez un pastille, là! Face à face, microbe! Nathan, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me pratiquais de charmeur de serpent dans la chambre, puis Max a fait un face-à-face avec microbe en cherchant les pastilles. Nathan, l'espéron, je t'avais dit de pas le sortir! J'ai juste ouvert le dessus du vivarium pour pas qu'il se cogne la tête en écoutant ma flûte. Ça tenterait pas de devenir charmeur de mouton en dessous de ton lit à place? Manolo, là, je pense que Nathan a eu sa leçon. Il a eu aussi peur que Max. Ah, ben, vu que tout est correct, on va y aller nous autres, hein. On a une grosse soirée qui nous attend. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est votre soirée de speed dating, là. Mm. Hey, Manolo, tu vas peut-être te faire une blonde? Ah non, finalement, je remplace Antonin au vestiaire. Tu participeras plus au speed dating. Non, je pense que finalement, Manolo se sentait plus à l'aise au vestiaire, hein? Ça paraît tant que ça. Ben, sans Antonin, Mathieu était mal pris, puis je suis incapable de dire non quand il est question de rendre service, hein? Je pense qu'il me croit pas, finalement. Bon, OK, ça me rendrait service à moi aussi. Mais je pensais que le speed dating, c'était une compétition de jeux de vitesse sur Internet. Pauvre Max, sa situation s'améliore pas, hein? Pas grave, ça va devenir une vraie célébrité dans notre classe. Ah oui, on va garder tes images. T'avais peut-être pas le costume, mais t'étais vraiment meilleur comme mime. Antonin, là, tout ce qu'il est capable de mimer, c'est... Ah, j'ai des boutons, puis ça pique!